Et rebonjour, bonjour à toutes et à tous, le QG du col caché, mission secondaire, let's go! Let's go! Le reste du colosse en pétricite des traqueurs de mages sont conservés dans leur laboratoire du col caché. Rendez-vous là-bas au plus vite, trouvez les traqueurs de mages, qui s'est juré de le détruire, et aidez-le si vous le pouvez. Foudre mystique, enfin tempête mystique, glace et feu, tempête mystique, glace et feu. Et vu qu'on va peut-être pouvoir recruter, donc... Parce qu'on termine quelqu'un, genre mystique, on essaie de la terminer. Une glace aussi. Y en a deux pour chacun. Nous avons localisé le labo du colosse au col caché. J'en ai assez que les traqueurs de mage corrompent le travail de mes ancêtres. Il est temps d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Espérons que je puisse encore arrêter tout ça si notre chercheur n'a pas réussi à s'en charger lui-même. On a dit glace, mystique. En mystique, du coup, on a ça. Ouais, bon, vrai, la frappe mystique, c'est cool. C'est cool. Ouais, ça, c'est cher. C'est cher, ma bonne dame. Non, je mets les deux. Je garde la foudre, parce qu'on sait pas pourquoi. Mais non, mais pourquoi je rip sur la popo? Bon, plus besoin de péter les vases, normalement on est bon en termes de ressources, mais bon, genre un plaisir. Des rafales de vent tranchantes partent en spirale, oui. Précision mortelle 1. Chaque élimination augmente les dégâts infligés aux ennemis suivants. Cumul disparaît si celui-là s'est touché. Lance plusieurs éclairs qui infligent des dégâts en touchant. Adaptation et amélioration. Les sorts copiés sur les ennemis infligent plus de dégâts. C'est vrai que ça a l'air mieux, mais le problème c'est que la foudre, on s'en fout un peu. Ça c'est fort, mais en termes d'élimination, peut-être plus ça en vrai. Thank you.
On voit même pas où. Ouf. C'est elle. Combien a une autre perle? Savoir flou en plus. Tu vois, c'est une fatigue, une carence alimentaire, une tache dans mon champ de vision. Parce que c'est la cataracte, rien à voir. Bon. Bon. On va partir, mais. Plutôt en se reposant plutôt qu'en jouant. Ça va. Ignorons. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rage ardente, les ennemis exploseront infligeant des dégâts, les PV de Silas multiplient les dégâts. Oui, non, ça c'était surpuissant, on va autant le reprendre hein, du coup. Ça, plus un PV max augmenté, c'est un plaisir. Hein. J'ai peur que la diagonale passe, mais... C'est bon. Ah oui, mais je dash dans le mauvais sens. Et je peux pas le gramme, si. Okay, c'est pas grave. On s'est pris tous les dégâts, c'est bien. Oui, alors du coup... Ok, c'est bon, maître des chaînes. C'était gerbant, mais on a fait le succès. C'était quoi l'autre succès déjà? Ah, c'est. Agripper et tourbillonner 100 fois. C'est-à-dire que c'est le. RB plus Y. On l'a fait combien de fois, on le sait ça? Non, il y a une barre de progression, non? Trouver tous les griffons, il y aura... Révolutionnaire déchaîné, je sais pas ce que c'est ça. Une chain. Pas loin d'avoir tous les succès. Alors par contre, ouais, l'histoire de tourbillonner. Non, il n'y a pas. On sait pas. On sait pas à combien on est. Ça démerde toi. Normalement, il y a une petite barre de progression, mais là. On se tire. Ouais, on peut le faire aussi avec des. Avec ses plots là. On fait ça, on tourbillonne. On fait ça, on tourbillonne, on fait ça, on tourbillonne, on fait ça, on fait ça. On le fait un petit peu, on le fait. C'est bon, voilà, c'est fait. On ne devait pas être très loin. Genre! Mais c'est quoi ces murs en carton pâte? D'accord, toi j'ai pas le droit de te grab. Ok, bon alors par contre les autres succès, je sais pas. Faut voir. Les griffons, non, ça devrait se faire. Le PQ, bon, je pense que ça fait partie des succès. Ça m'embête de retourner dans les forces endurantes. Les dégâts augmentent pour une durée limitée. Cet effet est réinitialisé après avoir tué un ennemi. Lorsque vous tuez un ennemi avec un projectile, le sort est lancé de nouveau dans les quatre directions. Là, c'est quand même le bouclier.
Oui, ça rajoute du mystique, mais un très faible moment instant. Ah oui. On fait plus de dégâts avec les sorts copiés. Et en plus, il y a les dégâts augmentés avec. Mais c'est que les dégâts CAC, je pense. Avec les PV. Bon, par contre, avoir cette tâche en plein milieu de la route, c'est un peu chiant. Et c'est de l'autre côté, je pense. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à affronter, du coup? Parce que Wisteria, on va encore la réaffronter une énième fois. Il y a Jacqueline aussi, la reine. Mais arrête d'appuyer. Non, mais ça devrait être interdit, quand même. Il n'y a aucun bénéfice à Sauver Hill. Les potions n'ont pas d'attributs propres. Il y en avait dans je sais plus dans quel jeu. On pouvait en effet béifier en trop. Mais les potions nous donnaient des bonus en plus que le soin. Là, non. Donc ça devrait être interdit. C'est tout simplement. Mais de temps en temps, ouais, il y a le symbole du. C'est le symbole de la rébellion, ça, non? On aura tous les griffons. Si ce n'est le papier. On verra. Ça m'embête. Hein. Parce qu'il y a quand même 3 ou 4 zones à avoir le papier. Et... En plus, on sait pas où le chercher, quoi. Il est déjà mort. En vrai, ça sert à rien de. De jouer notre magie actuelle parce que déjà on est plus fort en la volant et mais après bon eux on hérite juste du dash donc c'est un peu dommage. Bah non parce que là on a envie de dasher ou pas. Chaque élimination augmente les dégâts infligés aux ennemis suivants, le cumul va disparaître. Donc ça c'est ce qu'on a déjà. Non, peut-être pas. Chaque fois que Silas tue un ennemi avec un sort, le mana est entièrement restauré. On a besoin d'argent, c'est bon, on est pété de thunes déjà.
rythme, genre, t'as le temps de réagir. Où est-ce qu'on a retenu ou est-ce que ça vise en premier? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ça se trouve... Ça vise pas au même endroit. Ça, le start, c'est celui qu'on nous, on initie. Et ensuite, on a pris la max. Et ensuite, ça tourne dans, par contre dans le même sens. Ouais, c'est quoi le dernier sort? Bonus de points de vie, ah bah si. Le coup, loi de pierre, le coup en mana du sort est réduit de 1. De ce sort là, on s'en fout. En même temps, les deux sont pourris, hein. Chaîne de glace ou chaîne de poète-poète. Ok. Avoir le bouclier c'est cool mais on va faire des dégâts tellement monstrueux que ça devrait le faire. Ah le bla le Gundam. Non mais non, c'est juste deux têtes qu'on va affronter. Mais ça me touche tout le temps le étourdi. D'accord, il est tombé, je sais pas où.
Moi, je pensais affronter un géant, et en final, c'était deux têtes. Génial. On a même pas eu besoin de lutte. J'espère que c'est la dernière fois que je vois ces sorts contrefaits. Ah, quand il dit ça, ça veut dire c'est la dernière fois qu'on voit ces sorts contrefaits. Ok, oula, toujours plus de recrues. Viens combattre avec nous. Oui, je peux me battre. Bon, du coup, on aura dû emmener Jacqueline Dubois. Ah bah, c'est ce qu'on a fait, non? Ah non, on a emmené Mystique et Glace. Donc, eux, il leur manquait plus que deux. Jacqueline Dubois, il leur manquait bien plus, mais... je pensais pas en trouver autant, j'avoue. Mais... Ah, mais les autres en prennent. Ça devrait faire l'affaire. Non, t'en fais pas, je te protégerai. Ok, c'est bon, ça se propage, c'est cool. Mais du coup, on a aucun intérêt à se battre avec des membres plus faibles, du coup. Si ça se propage, on va plus garder Jackie de foot tout le temps. Cette chose l'a tué avant même qu'il ait eu le temps de finir sa phrase. Il n'avait aucune chance, pauvre fou. Si seulement tu nous avais trouvés plus tôt. Dans ce cas, je vais me rendormir. C'est ça le succès de ce jeu, de ce truc. Donc Mystique, c'est ok. Glace, c'est ok. Vent, c'est pas ok. Et bois, c'est presque ok aussi. C'est bon, le colosse des traqueurs, dommage, ne marchera pas aujourd'hui. Beau travail, Silas. Ils ne remettront pas ce projet en marche de sitôt. Ce qui veut dire que nous pouvons nous concentrer sur la libération des mages et la destruction du règne de terreur des traqueurs de mages. Puissent-ils ne jamais corrompre à nouveau le travail de mes ancêtres? Nous n'aurions jamais pu nous débarrasser de cette menace sans toi, Silas. Les Lanniers auraient été si fiers de toi. Je suis sûr qu'elle nous sourit en ce moment même, où qu'elle soit. Difficile de lire avec un œil en moins. Je commence à avoir de moins en moins. Deux secondes. Est-ce que du coup on arrête là? C'est triste parce qu'on n'est pas loin de la fin. Mais outre le fait que j'ai un coup de fringale, je commence à perdre un œil. Tout va bien sinon. Ok. Donc du coup là de toute façon sera la suite. On a toujours notre résurrection à acheter. Et là donc on a fini la quête secondaire. Donc il nous reste... Ah! C'est que du butin. Alors par contre, est-ce que ceux qui sont partis en guerre reçoivent quand même, bon, autant envoyer des niveaux 15 pour s'en assurer. Et là donc, ce serait de vaincre Esbès. Oui, c'est vrai qu'il y a encore lui qui s'est enfui. Il est possible que le mari de Gideon Benjiro soit tout comme, soit là, tout comme Esbès en personne. Ok, bon, déjà dans tous les cas, on va couper la BOD ici. C'était enfin. On a fini de casquer. Ah, vous avez compris. Casquer. Des bisous.